Bonjour camarades. En cette journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs, j'aimerais que nous ayons une pensée effectivement pour toutes ces travailleuses et travailleurs de par le monde qui subissent la guerre, l'oppression et la colonisation. À maintes reprises, les travailleuses et travailleurs ont su faire preuve de solidarité par-delà les frontières, à rebours d'une logique guerrière, destructrice et capitaliste. Et plus que jamais, les travailleuses et travailleurs doivent s'unir pour imposer une autre vision du monde. Aujourd'hui, il est difficile de ne pas avoir une pensée particulière pour les Palestiniennes et Palestiniens, alors que le bilan des morts ne cesse de grimper, à Gaza mais également en Cisjordanie, et alors qu'approche la commémoration des 76 ans de la Nakba. À Gaza, travaillent des soignants et ils sont en grande souffrance. Leur travail leur semble absurde face au nombre vertigineux de morts, de blessés, face au manque abyssal de moyens, face à l'impunité de l'État d'Israël qui cible des hôpitaux sans aucune forme de respect pour le droit international. Nous avons dépassé les 42 000 morts, parmi lesquels plus de 10 000 femmes et plus de 15 000 enfants. Nous avons également près de 80 000 blessés. Et parmi toutes ces personnes, des proches, des soignants eux-mêmes. Certains d'entre eux n'ont plus personne qui les attend. C'est le cas de Roméo qui travaille à l'hôpital européen de Gaza. Son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses nièces, ils sont tous morts. Et pourtant, malgré sa douleur, à l'image des autres soignants, il est toujours là, debout, et donne toute son énergie pour apaiser les souffrances des autres autant qu'il le peut. À Gaza, comment accomplir également son travail de journaliste et rendre compte de la situation sur place, quand on sait que 137 journalistes ont déjà trouvé la mort depuis le début du génocide perpétré par l'État d'Israël? Pourtant, nombre de journalistes ont fait preuve d'un courage héroïque. Je pense notamment à Wael Al-Dadou. Cet homme a perdu d'un seul coup sa femme, sa fille de 7 ans, son fils de 15 ans, ainsi que 8 autres de ses proches lors d'une attaque le 28 octobre 2023. Il aurait pu s'effondrer, abandonner, mais il a continué d'œuvrer pour l'intérêt général. Le 15 décembre 2023, il est personnellement touché par un missile israélien alors qu'il couvre la frappe israélienne d'une école à Khan Younis. Son collègue caméraman ne survivra pas. Wael Al-Dadou aurait pu s'effondrer, abandonner, mais il a continué d'œuvrer pour l'intérêt général. Et puis le 7 janvier 2024, c'est son fils, le journaliste Hamza Al-Dadou, qui est tué par une frappe israélienne. Le 5 février, c'est sa mère qui décède à l'hôpital à Gaza des suites d'une maladie, alors que lui-même subit à Doha une intervention chirurgicale sur sa main blessée lors du bombardement. Wael Al-Dadou n'est pas juste Wael Al-Dadou. Il incarne ce que vivent les journalistes palestiniens couvrant la guerre à Gaza. Et il faudrait que nous ne disions rien. Des étudiants ont été violemment réprimés. Deux conférences de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan ont été annulées. Plusieurs personnalités engagées ont été convoquées pour apologie du terrorisme, parmi lesquelles Anas Kazib, Rima Hassan, notre présidente de groupe, Mathilde Panot. Le secrétaire départemental de la CGT du Nord a même été condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract pour la paix. Une amie me disait il y a quelques jours, Ercilia, j'ai peur d'être la prochaine. Moi-même, je m'étonne de ne pas avoir encore été convoquée dans ces conditions, je me sens presque insultée. Qui peut tolérer que la justice soit instrumentalisée pour bâillonner des expressions politiques? Qui peut tolérer que notre pays, qui se targue d'être la patrie des droits de l'homme, se ridiculise ainsi aux yeux du monde entier? Bravo. Tout récemment, j'ai reçu un message de la part de Rouaifa, c'est une artiste peintre et une photographe palestinienne qui est réfugiée au Liban, dans le camp de Nahr el-Bared. Et je me permets de vous le partager car il ne s'adresse pas qu'à moi. Elle y dit notamment ces mots que je vous cite. Nous sommes peinés par ce qui se passe en Palestine et à Gaza. Nous souffrons de cette situation tragique et nous espérons que la guerre prendra fin et que la douleur qui entraîne davantage de morts et de destruction prendra fin également. Tout l'amour de la Palestine va au peuple libre du monde qui lance un appel, soutienne, écrit pour la Palestine et Gaza.
En vérité, camarades, tout l'amour, toute la solidarité qui unissent les peuples sont notre meilleur atout pour faire advenir un monde où la paix serait juste et durable. Ceux qui tentent de nous museler en interdisant nos conférences, en nous convoquant au poste, en nous condamnant, qu'ils tremblent face à la puissance d'un lien qu'ils ne briseront jamais. Vive la solidarité entre les peuples, vive la Palestine et vive le 1er mai.